Mohamed, le monde du football pleure Juste Fontaine, l'une des légendes du football français. On a appris sa disparition ce matin à l'âge de 89 ans. En 1959, une chanson de Gilles Bernard était devenue le slogan que les supporters de Reims scandaient au stade Auguste Delaune. Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remarches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Un titre en hommage à Justo, le porte-drapeau des canonniers, le surnom des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de 1958. Juste Fontaine, encore aujourd'hui, détient le record de nombre de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde, 13 réalisations, une compétition qu'il n'aurait pourtant jamais dû disputer. Normalement, il ne doit pas jouer. C'est Stéphane Bruet, qui est l'avant-centre à l'époque du SCO d'Angers, qui doit jouer. Et il se trouve que Bruet se blesse, et donc ils font appel à Juste Fontaine. Mais comme Juste Fontaine, il est un peu décontracté dans la vie, c'est un artiste, il vient avec des chaussures qui ne sont pas vraiment des chaussures, etc. Il n'a pas de crampons, parce qu'à l'époque, c'était des crampons vissés, il n'avait pas amené ses crampons. Et donc, tout ça, ça se fait dans la précipitation. Il a eu une chance, mais incroyable. Mais je crois qu'il faut être chanceux pour être dans la légende. En 21 sélections seulement, Juste Fontaine va marquer 30 buts. Aux côtés de Roger Piantoni et de Raymond Coppa, Juste Fontaine emmènera les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois, la France perdra 5-2 face au Brésil de Pelé. Mais les Bleus remporteront la petite finale 6-3 avec un quadruplé de Justo. À son retour, il est célébré comme un héros par les Français, mais lui reste modeste. D'abord, les joueurs étrangers ne me connaissaient pas, d'où un peu la surveillance qu'a tiré Raymond Coppa et qui m'a facilité la tâche, parce qu'on marquait plutôt Piantoni et Coppa qui étaient connus dans le domaine international, alors que moi je n'avais pas encore fait mes preuves puisqu'ils n'avaient pas eu l'occasion que je les fasse. Alors pourquoi les Français se sont tant attachés à Juste Fontaine? On a posé la question à la légende des Verts de Saint-Étienne, Jean-Michel Larquet. Il a bénéficié de la télévision. Vous savez, première Eurovision, le sacre de la reine Elisabeth. Et deuxième grand événement, c'était cette Coupe du Monde. Donc, aux yeux de l'Europe entière, Juste Fontaine a été vu alors qu'auparavant, les Coupes du Monde se jouaient un petit peu en catimini. Justo est parti avec ce record. Je pense qu'il est parti pour le détenir encore très très longtemps. Mais Juste Fontaine ne va pas s'illustrer que dans le football. En 1959, alors qu'il joue encore à Reims, il s'essaye à la musique et il est même invité de Jean de Sailly dans Discorama. Non, ça n'est pas une erreur et ne croyez pas que les techniciens aient confondu Discorama avec un quelconque reportage sportif, non. Nous avons enregistré un duo, oui, où nous parlons justement de ces temps lointains où nous ne savions ni l'un ni l'autre ce que nous allions devenir. Si l'on t'avait dit que tu serais footballeur, je ne l'aurais pas cru, non, je ne l'aurais pas cru. Si l'on t'avait dit que tu serais meilleur buteur, je ne l'aurais pas cru non plus. Quelques mois après, en juillet 1962, Juste Fontaine doit mettre fin à sa carrière après deux blessures graves à la jambe. Il s'arrête à 28 ans seulement, mais ne comptez pas sur lui pour partir à la retraite. Il va se lancer dans un deuxième combat, le deuxième combat de sa vie, la défense des joueurs de football. Il va créer le premier syndicat des footballeurs professionnels. Il crée l'UNFP parce que lui se blesse. Et donc il s'aperçoit qu'il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes avec les employeurs, c'est pas clair. Et donc, il galère. Et il dit, on va créer un syndicat. Syndicat des joueurs professionnels, l'UNFP. On parle des exploits sportifs de Justo. Faudrait dire aussi que, humainement, c'était un mec exceptionnel. Les plus grands joueurs comme Michel Platini, Eusebio, Alfredo Di Stefano reconnaîtront le talent immense de Juste Fontaine. La légende brésilienne Pelé viendra carrément à Paris en 1998 pour rendre hommage à Justo 40 ans après son record des 13 buts. It's for the boss and not for you only. Non, regardez ici quand même. Hein? Voilà. Okay. Remettre. Pierre, le mot légende n'est pas galvaudé pour Juste Fontaine, c'est l'un des meilleurs joueurs modernes de l'histoire du football. C'est le premier joueur français très moderne et que tout le monde a découvert. Moi j'avais 13 ans et j'ai vu Pelé qui avait 17 ans dans cette Coupe du Monde, mais j'ai vu aussi en demi-finale les Brésiliens ouvrir le score, on se dit on va prendre une dégelée,
Et ils égalisent les Français, parce que Coppa mystifie deux défenseurs, passe à Fontaine, qui marque, et moi, le petit môme de 13 ans, je me dis, ça veut dire que c'est possible. Et il avait la possibilité de la liberté et du gain, c'était le visage de Juste. Dominique Schelcher. Mon père avait 13 ans, comme Pierre Lescure, et donc est un fan absolu. Moi, ce que je retiens, une légende, parce que c'est la magie du sport, un record qui est intact depuis toutes ces années. Et puis, moi, toutes ces images, elles me font dire aussi autre chose. C'était la belle époque du foot avec moins d'argent. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le sport. Et quand on revoit ça, il y a une espèce de fraîcheur qu'on ne retrouve plus aujourd'hui.